Salut tous les amis, c'est Bulkurant. Aujourd'hui, on se retrouve une vidéo. Bon. Aujourd'hui, tout simplement, on va parler de plusieurs choses. Donc, j'ai pas pu prendre mon temps. Je vais parler bien et je vais bien expliquer pourquoi je pense abandonner ma chaîne pour une bonne raison et pourquoi je pense à arrêter de jouer à la Play. Je pense à commencer a été joué à Minecraft et tout. Bon, on va commencer par déjà pourquoi je vais arrêter YouTube. Je vais arrêter YouTube parce que j'ai plus de contenu et je n'ai plus de plaisir à faire des lives. Avant, je faisais des lives sur Plutonium, je faisais des lives sur beaucoup de serveurs. J'avais aucun problème. C'était des lives que je kiffais. J'étais avec des abonnés, c'était nickel. Jusqu'à un moment où est-ce que ça commençait à me saouler. J'ai fait beaucoup de serveurs, Hysteria, Plutonium, Futonium, j'ai eu même des grades de youtubeur, j'étais assez content. Aujourd'hui, je suis sur Hysteria parce que c'est là où tout a commencé, en particulier. Donc, je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé. Déjà, de 1, pour commencer, on va. Hop, ok, ça me ping déjà. Je vais juste répondre à MP et ça change. Juste étendre la musique. Et ok, bon, je suis à vous. Bon, pour continuer. Bon. Donc pour commencer, pourquoi j'ai arrêté, si j'ai vraiment plus plaisir à faire des lives sur YouTube, j'ai plus plaisir à publier du contenu. Surtout ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout à l'heure, j'ai simplement tout à l'heure, j'ai tout simplement publié une vidéo en expliquant un serveur PPKit qui s'appelle Bedoland, qui est un très très bon serveur. Personnellement, je ne vais pas vous cacher, c'est un très très bon serveur. À cela, il y a une règle que j'ai oublié de dire, c'est que je me suis trompé ce serveur en quelque sorte. Déjà de 1, le serveur, il est bien. Franchement, dédicace à Adrien Wayne qui est là. Il a toujours été comme ça, sympa avec moi. C'est vraiment le seul qui a été sympa avec KZ. Ils m'ont laissé beaucoup de chance par rapport à ce que j'ai. Malheureusement, ben, j'ai été. Comment je peux dire? J'ai arrêté YouTube aussi pour deux raisons. Mon nom s'est fait salir. Déjà de 1, j'avais un ancien pseudo qui s'appelait XXVulcain11XX. Il s'est fait salir en quelques secondes. Parce que sur les serveurs PV Faction comme Hysteria, Futonium et Plutonium, ou même Irodia, je me suis fait beaucoup de trash talk en disant que mes vidéos c'était de la merde, que je faisais des lives de merde, que je devais arrêter YouTube. Et que bah, je faisais du contenu de merde et que voilà. Du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté. En PvP, je vais pas vous cacher que j'ai un niveau vraiment à chier. Ça veut dire que j'ai pas un niveau hard en truc. C'est-à-dire que je suis pas très fort en PvP. Du coup, bah, quand je me fais traiter de aise ou de vas-y, t'es nul en 1v1, bah, je pète un plomb et je commence à insulter. Malheureusement, sur Bedoland, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je viens de réaliser. C'est qu'en fait, quand que t'insultes quelqu'un, tu peux pas dire non. Quand bah, que t'es guide, tu peux pas insulter. Parce qu'après ça, toutes les preuves vont aller contre toi. Vu qu'en fait, ils savent que t'es guide et que si tu insultes, ben en fait, tu vas te faire tout simplement niquer. Donc en fait, t'es sûr que tu vas te faire niquer. Voilà, vu que t'es un rien, c'est sûr. Sauf qu'à partir de ce moment-là, le problème, c'est que moi, d'une façon, je me suis fait, donc sur Bedoland, on va pas se cacher, que il y a un problème. Déjà. Voilà, vous pouvez voir, et celui qui a la fac, juste regardez, voilà. Regardez juste ça. Juste parce qu'ils ont su que c'était mon solo, ben voilà, il vient de la trouver, voilà, je savais. C'est vraiment gros, je me fais harceler sur Minecraft, c'est un truc de malade. Déjà que, gros, juste pour vous dire, pour continuer, tu sais, j'ai fait une API, SNK et tout, voilà. Il casse les couilles, frère. C'est bon, la fac et c'est Camsus, mais qui casse. Donc, ce que je disais simplement, c'est au niveau de Bedoland.
Franchement, je peux pas dire que le serveur il est grave bien. Je peux pas dire que ça grave bien, je peux pas vous cacher les abonnés. J'ai fait une vidéo juste pour avoir un grade de youtubeur et puis ça m'a recalé en disant que je faisais pas assez de montage, que je faisais pas assez ça. Ça mec, gros, je peux comprendre. Mais je suis pas venu pour trash talk, ça va. Franchement, j'aime beaucoup Bedolong, c'est un très très bon serveur PvP kit. C'est vraiment, je pense, le meilleur serveur. Ça ressemble beaucoup à Java, c'est un bon serveur. Le problème, c'est la gestion et les administrateurs. Les administrateurs, d'une certaine façon, ils sont un peu casse-couilles. C'est-à-dire que juste parce que j'ai fait quelques erreurs, j'avoue que c'est des erreurs énormes, tu vois. J'ai free kill, j'ai fait beaucoup de choses. Déjà, de un, j'ai l'air expliqué pourquoi que j'ai free kill. Ça passe, tu vois. Si j'ai free kill, j'ai fait une AP qui m'a pris 12 heures à faire. Et j'ai fait 1000 power. Je me suis fait pas ban, je me suis fait pas clair, pas dérank. Je me suis fait juste kick et c'est le cas. Ça passe. C'est correct. Ensuite, j'étais guide. Donc voilà. Ensuite, j'ai été mute 5 minutes, parce que comme que j'ai expliqué, quand que je me fais dire que je suis S ou j'ai un V1, moi, bah en fait, je suis pas capable de me retenir en fait. Je sais pas pourquoi, quand quelqu'un m'insulte, je suis pas capable de dire, ok, c'est bon, il a pas ses raisons, hop, je passe à suivant. Moi, je suis pas capable de faire ça, faut tout le temps bah, que je vous provoque ou je l'insulte. J'ai toujours été comme ça. Et franchement, j'essaye de m'améliorer sur ça, et franchement, ça n'arrive pas. Ça marche pas. Donc voilà, pour toutes les questions, pourquoi j'ai arrêté. Donc cette vidéo vraiment elle est attribuée à mes abonnés et franchement à Bédoland, ok? Franchement, là où je vais, là vous allez dire ouais mais là tu racontes trop ta vie, non. Mais c'est vraiment une explication, parce que tout ça il lie à ça en fait. Et le fait que j'arrête YouTube, c'est pas à cause de mon CFS salaire, c'est à cause de Bédoland, qui m'a fait réfléchir quelque chose. Donc c'est pour expliquer simplement ce fait-là. Donc ensuite, vas-y gros, je sais pas si y a moins de mute le chat, parce qu'il casse les couilles. Mais bon, ok, pour expliquer cette situation-là, voilà. Du coup, je me suis fait ban, je me suis fait très peu de page, je me suis fait kick, je me suis fait des trucs, et tout à l'heure, il y a un truc qui s'est repassé. Le stade s'est arrêté. J'étais sur un serveur avec trois personnes, je vais pas dire dans ce lot. Il y avait un des membres. Donc le premier il m'avait dit j'étais en PvP, du coup malheureusement ben, je l'ai muté. L'autre il m'a dit ta grand-mère, du coup comment tu peux expliquer? Il m'a dit ta grand-mère, du coup pour expliquer j'ai tout simplement mute le mec. Et après ça 30 secondes après je lui ai écrit t'es sûr? Je lui ai écrit bah alors t'écris ta grand-mère. Du coup, vu que dans les logs, c'est comme si ça serait écrit que moi j'ai écrit ta grand-mère, bah du coup, je me suis fait chicaner pour ça. De base, j'ai rien à faire là-dedans. J'ai rien fait. J'ai strictement rien fait. Parce que pour explication, c'est pas ma faute. Je me suis fait juste ça. Je me suis fait juste ça. Pour ça. Du coup. Les mecs, ils ont fait un screenshot du moment où est-ce que j'ai dit ça pour me faire dérank. Sauf que leur but, c'est de me dérank, vu que moi je suis guide. C'est même leur but. Ils vont jamais dire ça sur un administrateur. Vu que je suis guide, ils vont le faire. Et surtout que sur le serveur, ça parle beaucoup, comme bah, beaucoup de moi. Et bien sûr que c'est vrai, il y a beaucoup de gens bah, qui parlent moins sur le serveur. Pourquoi? Parce que je suis guide et que d'après eux, je fais n'importe quoi. Tout à l'heure, je me suis fait mis en vocal avec je sais pas combien de amis, on était trois, et ça commence à m'insulter. Ça ne commence même pas à m'insulter, pardon. Ça me banne, ça me mute, non, ça me mute, ça me kick, ça me dit insulte, ça me dit dérange, alors que j'ai rien fait. Ils m'ont laissé trois chances, j'ai perdu deux chances. Première, free kill, ok, ça je l'assume. L'autre, mute, je l'assume, j'aurais dû faire comme à ma gueule. L'autre chance, d'avoir dit ta grand-mère, j'ai même pas dit ta grand-mère, j'ai perdu une chance.
En fait, on va parler de mon pseudo. Ici, du cas, j'ai changé pour ce qu'on appelle JustWildingDL. Donc, c'est un autre pseudo que j'ai changé. J'étais administrateur sans savoir que ça s'appelait Siderium, donc qui est un sans faction. Je me suis fait bannir parce que j'avais givé trop d'argent. Alors qu'effectivement, non, je ne me suis pas fait ça. Parce que de base, bah, en fait, c'est parce qu'il y avait un mec qui m'avait connu sur Instagram et il m'avait simplement dit que j'avais tout ça. Alors qu'en fait, c'est le mec qui m'a fait un virement de 8 milliards sur Ethereum pour me faire ban. Voilà, je me suis fait ban, j'ai dû changer de pseudo, je m'appelle Baby Girl Alike. Et sur Bedo, ça arrive bien mes situations. Du coup, j'en ai marre. Donc simplement, je vais arrêter YouTube parce que ça commence à me saouler. Et franchement, me faire trash talk, me faire dire que je suis une merde, me faire bannir, me faire mute, me faire si alors que j'ai rien fait, franchement, ça met dans un état vraiment casse-couille. Et en fait, ça me choque. Et ça me dit juste qu'en fait, ben pourquoi je continue à faire des vidéos et je continue à être sur YouTube, même sur Minecraft, alors qu'en fait, je me fais insulter et je me fais littéralement insulter. Et pour ça, en fait. Et même si je change de pseudo, on me retrouve à chaque fois. Donc bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, je vais pas arrêter YouTube, ça les gars, je vous conseille. Je vais peut-être reprendre dans peut-être combien de temps? Un an ou deux. Ça va être encore dans très très longtemps, quand vraiment que ça va m'intéresser, genre vraiment des vrais projets. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera la dernière vidéo. Franchement, merci à tous mes abonnés qui ont été fidèles. On a passé du bon temps ensemble sur Plutonium, Futonium, Hysteria. On a passé du bon temps avant même que je commence du Minecraft. Merci Meteorphilou et Wolf pour vraiment avoir été là pour moi. Vous avez été mes deux premiers abonnés. À chaque fois que je parle là, vous êtes là. À chaque fois que je vous ai dit, si vous étiez là, franchement, je suis désolé. Vous êtes vraiment très sympa. Merci à Driwen, vraiment, de m'avoir montré c'est quoi un serveur. M'avoir montré c'est quoi ce que je peux payer des affaires. Et même encore, je ne vous ai pas dit. Juste parce qu'en fait, j'ai reçu insulte, je me suis fait bannir deux fois de PlayStation. Une fois 3 jours, une fois 7 jours. Là, j'en ai marre, je me suis calmé sur ça. Et en plus, bah, merci à toi. Franchement, je pense que je vais arrêter Bedoland. Je vais quitter le staff de Bedoland parce que justement, ça m'a juste trop saoulé. C'est juste le fait que ça m'a saoulé de être sur Bedoland et j'ai pas envie de nuire au serveur parce que le serveur il est grave bien. J'ai pas envie de nuire et franchement, parce que j'ai pas envie de déranger les modos pour une histoire de rien du tout. Alors que là, en fait, c'est simplement la victime et malheureusement, bah, je peux rien faire vu qu'en fait, bah, tout le monde veut ma peau et ça, tout le monde le veut. Tu veux, mec, tu vas sur n'importe quel serveur, tu dis, vous connaissez Vitizulka, ils vont dire, ouais, le youtubeur fils de pute aise. Ils vont tout le temps dire ça, sur n'importe quel serveur. Herodias, n'importe quel serveur. Franchement, je peux rien faire. Et même si je change de pseudo, je vais tout le temps me faire avoir. Donc voilà. Je vais pas porter plainte ni rien, parce que j'en ai rien à foutre. Bref, simplement, c'est un serveur. Donc merci de même, franchement, d'avoir fait ça. Merci, ben, qu'on casait d'avoir cru en moi. Franchement, les gars, merci beaucoup. Donc franchement, je vous dis bonne continuation. Moi personnellement, je vais déconnecter et puis bah, je vais arrêter YouTube pour une certaine façon. Donc voilà, il n'y aura pas de montage ni de coupure ni rien. Je l'ai fait, j'ai sorti ça de mon cœur. Personnellement, il n'y a aucune liste, c'est pas rien d'autre. C'est juste ce que je voulais le faire depuis très très longtemps. Depuis au moins 8 mois que je voulais arrêter ma chaîne. Depuis des lives Plutonium, je voulais arrêter ma chaîne parce que bah, simplement, je trouvais pas le moyen. Mais là, j'ai trouvé ce moyen et ça m'a juste trop décliqué. Puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi la campus bleue. Et puis ben j'espère vous revoir en santé. Et puis ben moi personnellement je vais prendre du recul. Puis ben je vais essayer de me calmer. Cette vidéo va être adressée au staff de Bedoland. Pourquoi je vais arrêter. Cette vidéo va être adressée à Hysteria, Plutonium, Futonium et tous les serveurs où est-ce que je suis youtubeur. Tous les serveurs où est-ce que je suis guide. Donc voilà, tout sera attribué. Pourquoi je serai absent, pourquoi je serai plus là pendant un bon petit bout de temps. Parce que franchement, mentalement, ça commence à me saouler. Et puis voilà. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.